Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba, et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limite. Vous suivez Congo Buzz Télévision, amis téléspectateurs, merci. La fidélité n'a bien peu confiance. Et bonjour, pe boye bola muna manaka ya pona Congo ya lelo. On a zéné singo mingi ya ko présenter les bino le collabo mesano tozali bongo mukolo dona lelo ma jeudi 2 mars 2023 mukolo ami balé ya mois de mars mois oye zali bongo dédié na ba droit de la femme spécialement tokozala mingi mingi na mois oye mesana biso tozana basi tous amis Bali et Zali Likambu ceux qui m'ont yamboto présenté ba invité peto présenté les bino ba sujet du jour quelques sujets d'actualité des mouvements citoyens ont manifesté hier mercredi 1er mars à Kinshasa devant l'ambassade de France pour dire non à l'arrivée du président français Emmanuel Macron annoncé à Kinshasa d'ici le 4 mars prochain. Et même mouvement à Goma où ce matin des activistes de droits de l'homme et mouvements citoyens ont brûlé un drapeau français pour protester contre l'arrivée d'Emmanuel Macron à Kinshasa. De son côté, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, invite le membre et sympathisant à réserver un accueil chaleureux à Emmanuel Macron qui est déjà annoncé pour Kinshasa, attendu à Kinshasa le 4 mars. Oyo tozali na yango du côté la Mouka, bazali ko annoncer biso marche monene. Oyo ko sali mabongo le 11 mars. Oyo pona ko protester contre onyo se talibongo ba problème ya est pe likambe talibongo processus électoral kasi d'ici après-midi à lelo. Martin Fayulu azali président ya la Mouka pe coordonnateur azali président ya SID pe coordonnateur ya la Mouka. À couper sa moko prend de presse moko point de presse ou bisika à expliquer moutouya ya manifestation voilà ou écosal ma bon le 11 mars prochain voilà on isa ba question ba actualité du jour maman elle kambola biso le lot manifestation contre Emmanuel Macron est-ce que Emmanuel Macron boye na eko posé problème est-ce que boye na eko ma solution isa ba question de zotouna dans les deux sens Banambo Kabalobi, hypocrisie zama kasi na ngambo ya France oyo bango bazali ko soutenir ba Rwandais oyo bazali bongo ko boma kopier na nzela ya ba M23 to mona ki lobby ezala ki vraiment yike bande ko bakita ki na ambassade ya il y a France pour nous manifester, bah comment qui n'a pas mûr, tout le monde qui bango, Colombano n'arrivait à Emmanuel Macron, mais sur le plan diplomatique, sur le plan stratégique, que représente l'arrivée d'un président français en Afrique et surtout en République démocratique du Congo en ces moments cruciaux, où tous allons bon qu'on vivre, bah problème tout peu agression rendez soin les abat question Tommy Koko s'est posé le lot kasi na malobanaye na 52e réunion il y a conseil des droits de l'homme na ONU chef de l'état congolais Félix Tshisekedi alobaki que le lot na mboka naye to kokuta les sous prisonniers politiques ata mon côté maloba o ezalaki bongo rejeté na bande composition au bango balobi ba prisonniers politiques bazali ebelé nani prisonnier politique na
il y a des prisonniers politiques. Ils allaient m'autour, tout comme tout, et selon le sondage, il y a 4 ans, oh, Félix Tshisekedi, Azali Nabokondi. Est-ce que tu as avancé sur le plan liberté d'expression? À quel moment tu aurais eu le baki bakangi moutoupo na opinion na e? À quel moment bakangi moutoupo na ba question au etali bongo mibe koyamboka? Tu peux répondre en gros, tu peux me répondre, ba invité la biso sur place, mokona le lot, tout ça, la maître Christian Ingange, ou Azali Bongo, Azali Bongo, analyste indépendant proche de l'Union Sacrée. Bon, on a déjà pour rejoindre Abisso. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Maman Naomi. Je suis un privilège de vous parler sur le plateau. Je suis un privilège de vous parler sur le plateau. Je suis un privilège de vous parler sur le plateau. Échange na biso la fracture pour kembri na liboso mais na ina profiter mon muke na pesa longonya na bayi FARDC pour na mosala kitoko bako sala côté ya Masisi. Donc nous avons tous suivi communication et porte-parole il y a armée le lieutenant colonel Guillaume Djike qui a dit que désormais Goma Sake pe Rubaya ezali na abri ya ba Dongolomi so M23 pe FARDC azo continuer ko poursuivre l'ennemi en profondeur pe ennemi azo continuer ko subir la puissance de feu ya ba FARDC to pe si bango longo nya ba continuer ko bunda po bisonyo so to s'engager n'est-ce pas na simana bango pour qu'il y ait 10 cm mon côté mboka na biso et pe sa mana bango na. Très bien. Lui, il est connu comme opposant farouche au régime en place. Azar Makassina, à côté de Boya Nyon, ce Salemaka. Lui, c'est Luc Malembe, Mdeko, il y a SID, mais Mdeko, Mbote, puis Boyebola. C'est qui singa, maman, là, Je suis un peu plus de temps. 300 élèves na classe moko liboso ya enseignant moko ya nzala a mal payé impayé ako sane bana bango nyoso ozoyoka ozana mwana atam mutu moko bana na ye bazana biloko ya gratuité nyoso si bazana poto bana ya wok nini ministre wana ya EPST baza wapi bazana poto bana chilomo baza wapi bana asama lukonde bana bati nyoso bana poto bo bana na ba muninga ndo ba hela na otika biloko wana madame Naomi. Pesanga une minute na pesina mbote na ndeko nanga mbote na pesi pe mbote na batu nyoso bazolanda pesanga une minute pour na dossier a epananga na bunya kuna ezali novembre juste oyebikeza o babengi programme ya 145 territoires mama ya escroquerie mususu ya régime oyo déjà escroquerie oui selon otanga ki rapport ya société civile et lobby batuana basi ba dekese 40% il y a budget mais biso pas na biso na bunya parce que chaque territoire tous en a 5 territoires voilà là que chaque territoire est en enveloppe à 10 millions de dollars et pas na biso à tabrik moko mais bon aussi ebima ba tubasi ba limbo ngwango ba silisi yango et puis ba na zone la bateau ya beseko pour bangonde bazo comment exécuter projet wana batu wana to yebite baleka wapi. Ezala Djougou, ezala Irumu, ezala Mambasa, ezala Mahagi, ezala Aru, a tabrik moko ezate. Mais société civile wana ki sa se lobby, projet wana mbongo si ebima a 40%. C'est-à-dire pona Ituri tozana 50 millions de enveloppe à 50 millions de dollars. 40% à 50 millions de dollars ezala kombe maman Naomi. Ça za ba 20 millions, ba 25 millions. C'est que basi balé yango. Yango na bengi deuxième dossier après Beseko, eza construction ya université ya Bunia.
ndeko nzangi mwindo nzangi oyo tango aza opoza azo sala makelele ke batie ka ministre boy détournement na détournement frapper papa wanape a détourné a ke kozwa ka société moko inconnu kombo na ngo ZS Africa Solution apesie mbongo ya kotonga université ya Bune. Ça fait 2 ans maman Naomi. Batouana, ce qui est là, il craignait, ce qui est là, 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 ce qui est plus de 20 millions de dollars. To yebite batouana, na zelu, sable, bazo linga ba importe yango na Inde. Ozo yo ka batouba frapper, on zang ya memaka. D'ailleurs, là, on a linga to mobiliser population ko kende ko ko bengana na ba bloko muke mike obatika kiwana ko bengana na ba bese ko nyoso wana na ba 100 jours na soki sa 45 territoires ya lokuta petit no moyen ba vérité et que assi atonga ta toilette moko na Ituri. Or l'Ituri n'est 6e poids électoral ya mboka. Nous sommes la 6e province ya Congo en termes ya poids électoral à cause wa ta voix mon côté a me katate kutu. Nga kutu na omitu na papa wana ako za la kandida wapi. Esika atonga ta toilette tena Ituri. Ako ya nenge nini na ba moro na biso chaque jour. Ako ya nenge nini komekao na za kandida na Ituri. Mama tolo bela dossier. Omo yine siki lota. Merci. Il faut dire que nous sommes en direct des antennes de Congo Buzz Télévision sur notre chaîne TNT, sur notre page Facebook. Toujours l'objet à deux sujets à l'ordre du jour. Monsieur Sako rejoindre à Bissot au cours de l'émission quand même dans l'embouteillage. Mais toujours l'objet à. Bon, il y a Emmanuel Macron, la République démocratique du Congo, sur le plan diplomatique, sur le plan même stratégique. Et Lingi Kolobanini, Maître Ingangi, ce qu'il faut que Bandeko va manifester contre visite. Emmanuel Macron, bah, na Kinshasa, bah, mouvement citoyen, bah, zo dénoncé hypocrisie et bah, zo dénoncé pe complicité y a France, na Oezo Saïm et la Bisso, Lelo, na Esther démocratie du Congo. Ont-ils raison? Est-ce que déclaration pe revendication la Bangoise a fondé? Oui, madame, merci pour la moutouna Otuningaï. Moi, je pense que manifestation, ben, de bon abisso d'abord. Pour manifester, c'est un droit où ils ont garanti dans la Constitution, je crois, c'est l'article 26 de la Constitution. Il y a beaucoup d'abissons des eaux, ils ont prévoir, n'est-ce pas, droit à... Ça fait partie des libertés publiques. Il y a pour manifester, droit à vous manifester, c'est prévu. Je suis en train d'encourager mes frères. Pour Nangaï, c'est une pression psychologique. N'est-ce pas, contre le président français Emmanuel Macron, qui jusqu'à ce jour a tikalananouté de manière claire qu'hôtel et sa position naïe à malam ou qu'au dénoncer qu'autant le mal par son nom par rapport à la crise sécuritaire où ils allaient qu'au prévaloir, n'est-ce pas, Namboka na Est et Namboka na Biso. Pourquoi cette hypocrisie de la France? Vous l'avez dit. Il faut dire que la France est en mauvaise posture face à Rwanda. Pourquoi? Parce que Rwanda a reproché à bas français le colabaiba soutenant qu'un génocide en 94. A reproché à bas on attend il y a opération turquoise. Ils avaient soutenu, n'est-ce pas, les troupes d'Abiyarimana contre l'avancée des hommes de Paul Kagame. Et maintenant, vous savez, le régime qui est au pouvoir, c'est le régime Tutsi, avec M. Paul Kagame à sa tête. Et Bango, c'est la France, n'est-ce pas, à Lukaku réparer, n'est-ce pas, implication naïe, tant qu'il y a marabout génocide. Deux, mon arabe français, Bazali n'a mal, n'est-ce pas, à vouloir se positionner clairement par rapport à l'agression aux Tosali qu'on connaît. Et cette hypocrisie de la France a fait en sorte que, au regard, il y a un sondage, il y a l'Institut congolais à recherche politique, qui est dirigé par un Français, tout comme les loups français, n'est-ce pas, par rapport à l'opinion favorable en termes de pourcentage, c'est 20% seulement en RDC.
contre 59 ou 60% en faveur de la Russie. Pourquoi? Parce que le Congolais aujourd'hui estime que, alors que nous avons besoin d'une solution militaire dans la sous-région, une aide de la France qui n'est pas un petit pays, parce que la France a allié membre permanent au Conseil de sécurité, a voyé qu'au porte-voix à RDC, à niveau du Conseil de sécurité, pour nous signer la sanction onusienne contre le président Kagame et ses supplétifs de M23, mais la France joue dans une sorte de duplicité, d'hypocrisie, où ils allient qu'au tel, ils s'en sortent qu'il y a une azali de mèche na Ndeko Paul Kagame. Cela est d'autant plus vrai, même na Élysée, tant que M. Sarkozy, qu'est-ce que j'ai dit, le président Macron, a eu qu'au n'est-ce pas, discours naïe, point de presse naïe, il a dit que lui, il est pour, n'est-ce pas, une solution collective. Or, quand il parle d'une solution collective, il a faire allusion à l'accord à Nairobi, à l'accord à Luanda, où ils allaient pour originalité, l'EAC. Et quand vous lisez ces accords-là, on parle de la coexistence entre la RDC et le Rwanda. On dit qu'il fallait que le M23 se retire de ma position. Mais qu'est-ce que le M23 ne se retire pas? J'ai, n'est-ce pas, encore suivi une information. Je mets ça au conditionnel parce que ça, c'est une information qui est venue, n'est-ce pas, qui s'est revenue de la société civile, que je croyais le Rwandais, l'armée rwandaise a encore traversé pour venir soutenir M23 côté Yakichanga. L'information est sa machine là-bas. Voilà, ceux qui ont la FARDC a bandi qu'on repoussait M23, au moment la aide outils côté à Kigali, et y est, au vu de la force régionale, y est qu'au Tchapoua, na ba supplétif, na ba M23. Nous attendons, les attentes sont, n'est-ce pas, grandes. Nous voulons que le président français a cité le chat par son nom, qu'il condamne l'agression. Parce qu'il a parlé en 2022 du soutien. Soutien, il y a Kagame, Naba supplétif, Naye, il y a M23. Nous voulons qu'on parle de l'agression. Parce que ce qui se passe en RDC avec le Rwanda de Paul Kagame n'est pas différent de ce qui se passe dans l'Ukraine avec la Russie. Mais là, nous voyons la France est très engagée. La France apporte même de l'aide militaire na Ukraine. Mais Awa, France a joué dans moi hypocrisie. Nous voulons qu'il condamne l'agression, qu'il parle de l'agression rwandaise contre la RDC. Et de deux, nous attendons de la France à même voie à RDC dans le Conseil de sécurité, parce qu'il y a des membres permanents, personne n'a droit de veto, pour que Rwanda a une sanction, n'est-ce pas, onusienne par rapport à agression ou à Oussala, sous le label, il y a un peu. Vous pensez que entre le Rwanda et la RDC, France a un choix à Oussala et par rapport à avant qu'on fasse, parce que j'ai entendu parler à l'lobby que Akoya a wapon à coopération, échanges commerciaux et sur le plan économique, coopération militaire, sur le plan éducation. Nous, pour nous, Bilo Kouanali, c'est ce que le français appelle la poudre de perlimpinpin. Pour nous, ça ne nous dit absolument rien. Même s'il faut que ça se fasse, avant tout, nous attendons de Emmanuel Macron, le président français, à dénoncer clairement l'agression rwandaise et à s'impliquer pour que et prendre fin. C'est ce que nous attendons de lui. Ce qui a yéawa, comme ma bise dans le français, milaï, a yéawa, c'est une hypocrisie. En tout cas, ça ne marchera pas. Nabisso. Et ce qu'il attend de la RDC, n'a rien de ce que ça y en côté. Très bien. Ndeko, Luc Malembe, ne pas vouloir présence à Emmanuel Macron à Kinshasa, est-ce qu'il peut résoudre le problème? Et c'est faux, ou balou sa question, Nabisso, présence à Emmanuel Macron à Kinshasa, est-ce que et quoi comme même moi solution ou qui est la situation tout ça pour vivre dans l'Est démocratique du Congo? Très bien, madame Naomi, na sepeli ndenge obanda ki ko rappeler ke biso na lamuka tobengi marche munene le 11 mars awa samedi na ba ville nyoso munene ya Congo, parce que justement eloko ezoko mana mboka na biso tozo comprendre yango susute mboka ezoki ende na miso na biso to ko risquer ko zala ba congolais ya suka ko vivre na mboko oyo. Ah, mais faut pas les souhaiter. Et au lobby, faut pas souhaiter, mais c'est nous devons nous lever. Ceux qui te font des cas à tous autres à la régime, moi, beaucoup est ok.
yango au monique moi na mboka Martin Fayulu m'a dit président élu ya mboka oyo muto aza na légitimité à peuple congolais o muto ba congolais ba vota ki na nanga a confirmer yango et ça que azo solo la lelo azui makambo ye moko sikoyo parce que en face il y a un vide à la tête de l'état et ça vide muto aza te tozaka ka mboka tozangi muto akokamba biso o muto aza wana et ça vide à la tête de l'état aza na voyageur na ba mariage ata yo soki osali anniversaire na yo benga chilombo akoya ne biloko alanda ki soki na Genève wana mariage mais là une famille est-ce que photo ya ça il a un débat na TV non mais au cause wa président de la République ok ne suis pas mariage tu ne peux pas aller na ba biloko na privé ba mariage na mbongo na biso ok oyebi voyage moko ya chilombo ça coûte combien au trésor public pour na kokene na mariage ya biso ni c'est en quoi ça nous concerne nous. Renew wana ya droit de l'homme. Aucun président ya kana ne loko wana za kabilo kwa ba ministre. Yango moni ba benga ki ministre. Justement parce qu'il est ministre za na présidenté. Alors, dossier à Macron. Na lingi ba congolais ba noté awaki. To bomona ndenge nini i de peste et ça la kana Kagame. Olanda ki Kagame na RFI. Kagame a quoi a commenté ba manifestation ya ba mouvement citoyen ya lobby wana. Alobi au lieu ya ko s'en prendre na Macron ba marcher de contre président na bango au même moment Kabuya Sengi ba militant ayi de peuple ba accueillir Macron kaka ndenge moko na Kagame a Sengi pe ba accueillir Macron vous comprendre yango bino tolobela kabino ke Tilombo na Kagame na Kabila bazalaka mutu moko tilelo. Il faut pas vous colander va bien quoi la distraction on a zolo bagero chaque jour Kagame nous agresse l'okuta azo ça la pone Kagame tout ce qu'il fait ils ont profité na Kagame azo inquiété Kagame té Mustala ati lombo ba mnoma ki na pouvoir eza ko tika mboka na bito banda ko échouer chaque jour pe konanga zolo bawa ke armée et communiqué le bigo meza sous na danger té c'est vrai parce que justement objectif à M23 eza ko zwango mati. C'est là où vous ne comprenez pas ces gens. M23 a yébi que ce qui a joué Goma Lelo, pression internationale et Kozala Makasi Ndengezaki 2012. Kozala obligé de se retirer. Ils ne veulent plus faire ça. Bazan a besoin de Zouana ou de localité Nyoso et Tondi Baminere à Nord-Kiv. Ba contrôler en haut. Bazan a douane à Bounagana et Ska Bako évacuer Baminere na Bango na Rwanda na Ouganda. Bazan a besoin de Goma T. Ils donnent l'impression de chercher Goma, mais non, c'est les entités là-bas. Rubaya esika min munene ya kasiteri teza, walikale nde okomona bako kenende walikale. Baza besoin ya Goma te. Parce qu'ils savent que la pression internationale sera grande et ils seront obligés de se retirer au bout de quelques jours. Alors, ils veulent plus ça. C'est l'erreur que... Bon, disons, pour eux, c'est l'erreur. Moi, je les analyse. Je sais analyser, je suis de la zone. Je sais que c'est à ça qu'ils jouent. Alors, vous allez perdre votre temps à les attendre à Goma au lieu de chercher à sécuriser. Tant qu'on dit que Goma est à sécuriser, c'est bien beau. Alors, qu'est-ce qu'on fait de Bounagana? On oublie? Qu'est-ce qu'on fait de Kisise, de Rumangabo, de Kiwanja, de Rutshuru, de Kibumba? On oublie? Mais l'armée est toujours na front. L'armée est toujours. Non, parce que l'armée, de façon à communiquer, c'est ça qui nous salue à Malamou. De dire que oh, Goma n'est plus à... Ces gens n'ont pas besoin de prendre Goma. Ce n'est pas ça leur calcul. Ils n'en ont pas besoin. Ils l'auraient déjà fait si c'est ce qu'ils voulaient. Problème na bango eza ailleurs. Alors, yango to lobby marche ba Congolais bo la mouka. Mouka na biso esi te kami na régime oyo. Mouka nisi ba nomaki ti lombo pamba. Mouka nisi ba nomaka moutou na pouvoir pamba. Oza dernier, ba nanga ye moko a lobby ke ti lombo za ki élite. Tilombo azawana na akoro yo asinya ki butu na kingakati et pas ya Kabila. Non, on a pas dit ça. On a parlé d'un accord. Oui, mais ça qui est signé à Kingakati. Tel n'était pas élu à l'obèque en goûté. Non, mais Aza a eu pouvoir par un accord. C'est qu'Aza qui est élité. C'est clair. On n'a pas eu le Moutaza est élu na peuple est-ce qu'a signé à l'accord. Fallu la boya qui pour nanin. Fallu le balouè qui a eu le pouvoir mais a signé à l'obin n'a pas signé à l'obin. Nazaki élu souka wana nazozo wa pouvoir Kabila changé accord wana akeko luka muto ya ko signé Tilombo banome yewana biso to sengi arrestation nanga est-ce qu'on se moni bakangi bakokanga payete parce que voyez que ceux qui bakangi nanga il va tout dévoiler
Au résumé, il a raison. L'arrivée de Emmanuel Macron. Donc, arrivé à Macron, pour Nabiso, tout le monde d'abord que l'IDPS Moutoazo, ça la mobilisation à quoi accueillir Macron. Macron de Moutoazo financé Rwanda. Macron de Moutou azo soutenir Kagame. Oyebi ponanini. Il ne faut pas nous parler de ces histoires de génocide, c'est déjà dépassé. Les intérêts du français au Rwanda aujourd'hui, c'est au Mozambique. Armée rwandaise est en Mozambique. Moutazo financé opération Rwanda est en France parce qu'il y a de l'uranium que la société Areva française est exploité dans Mozambique, dans Niger. C'est ça les enjeux. Les professeurs qui ont besoin de Kamamoka, c'est parce que vous n'êtes pas informé. Botanga Kate. Quand Macron, il s'intéresse de ces histoires de génocide, on n'est plus là. Le Rwanda a su offrir des choses à Macron. Qu'est-ce que vous voulez offrir? Rien. Kaka Makele, on va accueillir. Bon, est-ce que c'est comme ça qu'on fait la diplomatie? Il faut Macron a condamné, oui. Mais il faut lui donner les raisons. Pourquoi il va le faire? Nous sommes en diplomatie, cher ami, ça ne se fait pas comme ça. Très bien. Macron vous a répondu que lui, c'est les intérêts de la France d'abord. Nde konabiso Christian Lusako n'a tout nié. Jour ni nous condamner Rwanda. Oyoka ki alobine. Il a balbutié. Il a tourné, il n'a pas répondu parce que justement, il ne le fera pas. Et donc, on a bien l'agression, je vais chiter par là. Ce discours et agression est à Kakao à Kinshasa. Même EAC n'a jamais dit que nous sommes agressés. EAC Kakao, jamais EAC n'a condamné le Rwanda. Donc, vous êtes le Conseil de sécurité des Nations Unies n'a condamné le Rwanda. Vous êtes faible. Bozo Kende, n'a pas mon abisso, n'a pas que même n'a pilote à Chilomba menacé qu'on démissionne. Alembi, yete Moutou. Merci. Tout pays a mis une semaine à Tayomo. Merci. Au Kofandate, merci. Kaka Kossi dit ça, mon abisso. C'est tout ce que ces gens sont venus faire. Va voyager, Zangiti, n'a pas mariage. Merci beaucoup. C'est comme ça que personne ne nous écoute. Merci beaucoup. La voix du Congo n'est pas écoutée, même dans EAC AO. Aussi, on va condamner Rwanda. C'est que déjà personne ne sait que nous sommes agressés. Pour tout le monde, les M23, c'est des Congolais. Bah aujourd'hui, à travers le monde, la cause, il y a Congo, agression, et Zolo Martin n'a pas parlé européen. Maman, personne, je te mets au défi, je vois ma déclaration. Personne alors n'a jamais dit que le Congo est agressé. Il faut bien lire. Personne, même pas EAC, personne n'a jamais dit que le Rwanda nous agresse. Personne. Merci. Pour la communauté internationale, les M23, c'est des Congolais parce que justement, le régime Oyo, baba traître, baza capable de défendre Mbo Kanabiso. Et puis, Bangonde Bayaki na M23. C'est eux qui ont ressuscité les M23. C'est pour ça qu'ils n'ont rien à dire. Donc, on a solution à Bitumba Oyo, mais dans le régime Oyo. Merci. Quand on aura dégagé d'abord ce régime, c'est là qu'on va envisager la solution. Merci beaucoup. Ndeko Christian Ingangé, maître du point de vue diplomatique et stratégique que représente présence et président français dans Mboka Nabiso. Maman Oazo Teka, Nabalabala, Ndeko Aza Kosire, Ndeko Aza Libanda Zo comprendre pourquoi Ndeko est mouvement citoyen Baza Ko revendiqué et pourquoi président français Sokaye dans Mboka Nabiso et que apporter les bisounines avec le mot simple. Voilà, merci beaucoup. Madame, mais avant de répondre à la question, il faut s'attendre à ça lorsqu'on a en face M. Malembe qui excelle dans l'accordement frauduleux. Tout ce moment, il est arrivé à Macron, il a côté Marambo Bélé, parce que la Mouka, ligne de conduite, quand ils viennent à plateau, ils doivent toujours attaquer le chef de l'État. Et voilà comment, mon frère, quand on parle de la République, il faut faire preuve, n'est-ce pas, il y a beaucoup de raisons, et remettre de côté les alliés, passion. Le président de la République, Félix Tshisekedi, passera, mais le Congo restera. Alors quand vous venez parler de la République, ne parlez pas de l'individu Félix Tshisekedi, il passera, parlez du Congo. Parce que le problème qu'on est en train de connaître aujourd'hui avec la France, comment dire, avec l'insécurité à Est, c'est un problème que le président de la République a trouvé. Il peut partir sans le résoudre dans son ensemble, ça restera. Le Bobnu Bouya, et vous allez, n'est-ce pas, rencontrer le même problème. Et vous aurez besoin, n'est-ce pas, de l'appui de tous les Congolais. Donc quand vous venez sur un plateau de télévision, ne vous attaquez pas à l'individu. Parlez de la République. Naoki Alobi Makambouya, moi je parlais de Goma qui est à l'abri. Faites attention de la manière dont vous écoutez.
M. Luc Malembe. Je dis, suivant communiqué, n'est-ce pas, il y a FRDC au porte-parole Néa Lobby, il y a Goma, il y a Sake, il y a Rubaya qui sont à l'abri. Je n'ai pas seulement parlé de Goma. J'ai dit Goma, Sake, Rubaya, et l'ennemi a été repoussé à niveau de la hauteur, il y a Kingi, et le FARDC continue à progresser. Quand je venais même ici, j'ai suivi sur une chaîne de radio où l'on confirme que le FARDC continue à progresser. Il y a un travail qui s'est fait sur terrain. Et quand vous dites que Tozaro s'est contenté quand on a Goma, mais Rubaya est une zone minière, Rubaya est à l'abri. Et le FARDC sont déterminés, il y a pour repousser l'ennemi. N'est-ce pas, Tina, hauteur, n'est-ce pas, Yabunagana. Il ne faut pas dire que nous contentons seulement de Goma. Non, ce qui intéresse l'armée, c'est de repousser l'ennemi, Kozong Isaïe Sika à Outi. Parce que l'armée est déterminée pour que aucun centimètre, Yamboka Oyo, est entre les mains et l'ennemi. Kolobate que l'armée est là seulement pour Goma. Ce que vous dites là est faux. Vous trompez, n'est-ce pas, les gens qui vous suivent à Bounia. Et l'Oriami Balé, Nayoki Indeko, Atana Bamalgam Makasi. A lobby que l'UDPS est en train de soutenir la France. Parce que l'UDPS est mobilisé. Je ne suis pas de l'UDPS, mais c'est l'actualité. C'est pourquoi je suis un indépendant. Je ne suis pas de l'UDPS, c'est l'actualité. Ndekonangai. La RDC et la France sont des nations civilisées. Tozo fait partie de ce qu'on appelle les Nations Unies. Le président français, c'est un président en fonction. Aza homologue, il y a président Tshisekedi. Et quand il vient ici, nous sommes un pays hospitalier. Donc, offrir rien notre hospitalité. Mais nous allons lui dire nos quatre vérités. Aux hommes, nos vérités. Nous allons le lui dire. Voilà, vous devez clairement appeler les chats par son nom. Mais on ne peut pas refuser d'offrir rien notre hospitalité. Nous sommes un pays hospitalier. Nous ne sommes pas comme le Rwanda. Nous sommes la République démocratique du Congo, un pays hospitalier. Donc, il y en a qui vont, n'est-ce pas, accueillir et d'autres qui vont marcher pour manifester leur indignation. Nous sommes en démocratie. Chacun a exprimé, d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas, ce qu'il ressent par rapport à ses enjeux. Autant connaître les lots en ce qui concerne la crise de l'Est et de la visite Yandeko Macron. Donc, il ne faut pas dire que. Par contre, j'ai lu votre communiqué. C'est vous qui soutenez la démarche de Paul Kagame. Quand Paul Kagame dit « Vous devez marcher contre le président Tshisekedi et non contre Macron, oh, Yazo défendre parce que le président Macron, c'est son ami. La France, c'est un pays ami. Il y a Rwanda. » Mais vous, dans votre communiqué annonçant la marche, na point 2, quand vous avez énuméré les objectifs, vous avez dit « Nous allons marcher également contre l'incompétence de M. Félix. » Mais vous jouez au jeu du président, n'est-ce pas, Rwandais, qui dit qu'il veut diviser les Congolais, marcher contre votre président, divisez-vous, s'il vous plaît. Est-ce qu'il est notre président? Madame, protégez-moi. Je vous protège. Monsieur Luc, pour la Congo, ils ont une émission très suivie. Alors, quand nous avons l'Obama, je ne parlais pas. Ce que moi, je peux vous demander, c'est de prendre votre stylo et d'écrire. Très bien. Et au moment opportun, vous réagissez. Zala Républicain. Nous avons l'Obama Boé. Au père de moi, bah, fille du Denangai. Nazego Lobaboe. Tangou, Bino Bosa la marche, ou plutôt marcher contre le président Tshisekedi. Vous jouez au jeu de Kagame, qui veut diviser les Congolais pour mieux régner. Or, nous sommes tous en train de faire face à une agression extérieure, qui n'a pas commencé aujourd'hui, ça fait une vingtaine d'années que tu reconnais régner. On a besoin de l'unité en l'interne, n'est-ce pas? S'il y a des propositions à faire, vous le faites. Malheureusement, avec vous, l'opposition, vous êtes dans des gesticulations. Vous ne faites jamais de propositions, malheureusement. Moi, je suis un républicain, je suis un indépendant, j'ai fait des propositions au chef de l'État quand j'interviens. Mais vous, vous ne faites aucune proposition. Vous êtes dans les sensationnels, dans des gesticulations, vous ne faites aucune proposition. Ce n'est pas une bonne chose. Vous devez proposer en interne, mais restons unis parce que nous avons à faire face, nous n'avons qu'un seul ennemi. C'est le régime de M. Paul Kagame. Alors, quand vous allez marcher pour dire que nous allons chasser M. le président Félix parce qu'il est incompétent, vous faites le jeu de Kagame qui dit aux Congolais, divisez-vous, ne marchez pas contre Macron, ne marchez pas contre le M23, mais divisez-vous entre vous comme ça, nous et Macron,
et le M23, nous allons continuer, n'est-ce pas, faire une notre job. 30, monsieur Ngange. On a Ezali, binone borosa la jeu, il y a M23, il y a Macron, Nanani, na Kagame. Ezali, bandeko ya I2PS. Ezali, puis Congolais étaient dans l'air ensemble. Ezali, binone batala mouka. Alors, par rapport à Kemba la mort, on a. Madame, pour la maman Yandunda, on a Matembela comprendre. Tozo Zela, Macron, le président français, a. L'oba clairement, ça c'est sur le plan diplomatique. A l'oba clairement que Rwanda Zali agresseur, il y a RDC. Puis a kende na consigne. Donc on a raison. Tant qu'aucun État jusque-là parle de l'agression. Bah, grande puissance, hein, parle de l'agression, mais bah, bah, soutien. En droit international, les mots ont leur sens. L'agression n'a soutien. Et c'est le mot que ce hôtel en Russie, ils justifient leur implication parce que bah, la Russie Zali agresseur, il y a l'Ukraine. Mais et pas la bise par le bas, soutien. Alors, ils ont une implication nous sous par rapport à l'agression. Or, nous voulons que la France est un pays important dans le Conseil de sécurité. Azali n'a droit de veto, n'est-ce pas? Avec au porte-voix de la bise des Nations Unies. Il y a aussi une question qui est résolution. Où ils ont marqué pour la lever. Il y a Makambu, il y a notification préalable. C'était la France qui avait porté ça. Aux hommes, la rôle France a joué, il y a une résolution, on a, bah, discutant dans le Conseil de sécurité, et bah, lever les mesures à notification préalable. Donc, de la même manière, nous demandons à la France, à Memapé, voir la Bissokouna, à Yébissa, dans les Nations Unies, bah, sanctionner Paul Kagame. Et ça, normalité, tant que vous allez agresser, madame, mais c'est la même France, l'Union Européenne, dont fait partie la France, et repèse sous Rwanda 20 millions. Pour n'avoir intérêt, 20 millions, n'est-ce pas, d'euros. C'est la même France-là, en 2020, où il y a eu un Rwanda, ce qui est 50 millions pour la formation professionnelle. Bon, Covid, on peut comprendre, mais la formation professionnelle. Donc, vous voyez que cette France-là, n'est-ce pas, ils allaient toujours entrer au tel Issaïté, alors la poste à protéger plus d'intérêts. Ndekwalobi, qu'est-ce que nous devons donner à la France? Mais la France dit qu'il vient ici pour les accords bilatéraux. C'est ce que nous avons à donner. Nous avons, n'est-ce pas, à donner à la France. Mais avant que Topé Saïe ait ce que nous avons à lui donner, il faut que la France joue son rôle en tant qu'une puissance dans Mokili, pour neutraliser, n'est-ce pas, la velléité expansionniste. Il y a M. Paul Kagame, ses supplétifs de 1,23 dans la sous-région. C'est ce que nous attendons du président français Emmanuel Macron. Très bien. Merci beaucoup. De collègues Malembe, Nabande Kobazo Landabiso, population Mobimba Wazo Landabiso, Tomoni, depuis un certain temps, bah, président Bazako défilé Nambo Kanabiso, Tozol Bengango, diplomatie, Ndengeni Nikolukako Bima la situation, surtout Nakao, Ezaba, coopération Ndengen, mais Mingi Mingi Kambetali, situation sécuritaire na Est, Boye, il y a Macron, Awa, et la Kissini, Nipeko, comme Melabiso Nini, sur le plan diplomatique et stratégique. D'abord, madame, Eza passe, Koyo Kandekonangawa, Alobi Kibango, Bazo Akeir, Baza Akeyan, Baza Soki pays, Alobaki n'est un pays hospitalier, Bazo mobilisé pour Macron. Jamais Natika la Koyo Katsoki Chilombake en France, parti à Emmanuel Macron et mobilisé pour Naye. Jamais de quoi. Maintenant, et l'autre, et ça libiso mabe, c'est que artiste musicien Fali Ipupa. Basakajenda konaye, ba tumbi ba mituka naye, ba lobi po ye a ki photo na Macron. Ozo yo kabatoy. Ba tuwane baza identité. Ba IDPS, non, milice ya IDPS, komo na ango, force so ki de bitu di progrès. Eza milice ya IDPS, moutunyo so ayebi. Ba tu régime yo, ba tu ba pesa ki bango ba machette. Tout le monde a image, il y a des armes, il y a des armes, il y a des témoins. Mais l'accusation est très forte. Non, il y a des images. Le régime de PES a eu des armes. Oui, c'est déjà milice, il y a des PES. Donc, il y a des PES, c'est une milice. Force du progrès, c'est grave ça. Il y a des PES. C'est clair, les armes, c'est clair. Milice, il y a des armes. C'est pas moi qui suis militant, je suis d'avant qu'à la marche contre l'agression à Rwanda. Bango, tu es bango, est-ce que les armes sont tout milice na bango nde tumbi ndakuya fali ipupa mais bango bazo ya malemem ma Emmanuel Macron bako se mobiliser pour naye c'est que c'est faux ce qui ba tumbi ndakuya fali ipupa yebe za pane d'abord ba yebe que fali ipupa je voudrais ici ko exprimer ye soutien à parti nanga na ya président nanga Martin Fayulu parce que yebe que fali aza d'abord mwana ya kati ya papa Martin Fayulu
aza très proche à Fayou. Ozomon. Et puis, ma pesa qui est mongo, zuro ba betin piaka na stade, ba linga ki falla bete la bango concert a boya ki na ye. Ma pesa qui est $500,000 toko le bagno soa. Falla lo beli bango, ozomon an nengeni ni ba kongole ba o souffrir nanza la te, mo ko pesa bango a mote. O konti siye de politique. Eza politique te, c'est la vérité, c'est zia ba toyo ba ba touté. Ya mota ngolo baka kenga na mona kata le loko moko ya bi. Nga moko na lukaka. Ndenge nini na kol mona loko ya malonga na batoyo. Na kumona yangu eza wapi. Ozozwa $500,000 pesa fali. Poton ni sasta dosa la nango makelele. Me bakongole balingi bakufa nanzala. Bitumba. Insécurité kuluna partout. Oyebi ya eloko wanate. Yo ya yo kaka eza. Non. Si vous pouvez bato bazana méchance toko s'expliquete. Donc. Voilà imbroglio ali de pesa. Batumbi ndako ya fali. Me bango moko bazo ya malobi. Nini Martin. Nini Emmanuel Macron. Parce que comment s'expliquer bateau? Kaka bongonde azolo bakagame ao. Bangomo azolo babiso to sala na kagame. Parlant de kagame, vous ne pouvez pas parler. Nana yaki na kagame na stade ao babetelie maboko. Biso to si to ya na kagame. Bo betelie maboko ao na stade bolobi o nanyo bo ya kagame. Bisele la lobi bo pesa ki na ba minere na biso tout. Et puis azolo bakagame ao. Bino boza merci kagame na kabila. Bino boza ba agent ya kagame. Vous travaillez pour Kagame, vous ne l'inquiétez pas. Olobi Armen Abisso. Je suis d'accord. Te soutenir Armen Abisso. Ezo bunda. Mais dans quelles conditions? Maman a omis. Mon akiba photo et si ka soda azana fond a memin de konaye na nini. Na mapeka. O yaza blessé. C'est-à-dire l'armée eza ni ambulance. Ezo ni elo komo kote le des militaires, on les envoie au front comme ça. Bazana biloko akoli ate honorable député Nabiso, honorable Kassé kwa Jean-Baptiste auti na goma auti na sake na ligne de front eloko amoni kuna eza ko pesa soni. L'armée se bat seulement par patriotisme mais régime oyo ba bazozwa $1,000,000 madame ba pesi chaque mois na EAC. EAC oyo bunda kate $1,000,000 ba pesi na ba Kenya ba banda ko langwa na ba hotel na goma. Et puis, Armen Abisso, Ezo Bounde Labisso, on les envoie au front sans à manger, rien, ambulance exacte et lokomoko, qui s'exacte et lokomoko exacte. Il faut respecter notre armée. Nous parlons de Emmanuel Macron. Alors, donc, parlant de Emmanuel Macron, écoute, Ndeko Nanga, Nalingaye, Bandengeni, une diplomatie fonctionne. On ne fait pas la diplomatie comme ça, Ndeko. Ce que vous faites là, diplomatie à genoux, diplomatie à faiblesse. Nous sommes les pays les plus grands pays francophones du monde. On vous a demandé qu'on ne pas mettre sur le tapis. Donc, on peut faire la proposition à Batounet, Tibino, Bokoyo, Kate. Pourquoi on va perdre notre temps? La 5 a marché ici. Nous, on a demandé que Bobo retire mon cannabis sur la francophonie. C'est une menace, un moyen diplomatique pour faire plier la France. Ce qui le lobby sur Congo, le lobby, le bimi, le bilo, le bino, la francophonie. La France n'acceptera pas que Bissoto, Tokene, la Commonwealth. Il va faire ce que nous voulons. Il va nous dire qu'est-ce que vous voulez pour ne pas partir condamner les Rwandais. C'est comme ça que la diplomatie moderne fonctionne. Ezako sengate, ezako, il y a pas la pitié ici, eza église té. Ozolo bakaka, bisoto zoze la Emmanuel Macron a condamné Rwanda. Pourquoi il le fera? Parce qu'il a pitié de vous. Il y a pas de pitié ici. Moi je suis de cette formation là. Pitié zaté. Il faut donner, il faut menacer. Pour dans le Rwanda, France et les autres Rwanda lingaki. Le Rwanda a quitté la francophonie. Le Rwanda est allé au Commonwealth. Le Rwanda a menacé la France pendant combien d'années? Il y a moins sali que la France s'est pliée. Il y a bino boyébité. Ok, là, il n'y a que les intérêts, il n'y a pas. Et il n'y a que les intérêts, il n'y a pas de pitié ici. Il n'y a pas d'amitié. Non, il n'y a pas d'amour. Macron ne vient pas nous faire l'amitié ici. Non. Boyé, il y a Macron sur le plan intérêt, il faut gagner. Et l'autre côté, parce que tu as dit qu'on négocie. Si on dit qu'il y a pitié, il faut Emmanuel Macron à condamner Rwanda. Mais pourquoi il le fera? En quoi vous l'avez. C'est ce qui a sali en côté. Qu'est-ce qu'il va. Vous allez faire quoi? Rien. Boko le la kaka parce que justement c'est tout ce que vous savez faire. Pleurnicher comme des enfants. Très bien. Voyez éviter que en diplomatie moderne, on regarde. Oh yo poisson là et le Congo na lingi. Nini intérêt na yen nini na koki ko menacer. C'est comme ça. Moi je vous ai dit, retirons-nous de la francophonie. Lobby ma croix pour condamner. Merci vous beaucoup. Vous n'avez pas les couilles. Bozana bino batuboyaki.
bano makibino ba garçon ya kondimanyo sona bisigné signé na côté kamboka na merci. C'est pour ça que marche madame Naomi marche yo na singi ba congolais totika nanu ba biloko ba division pardon mboka na biso ezokende tilombo akoleka faulu akoleka batunyo so bakoleka mboka na biso yo ndeto kotike la bana oyoki e assez c'est comme na Kisangani so yoki ango e assez basoda wana bakimi goma baza deja na Kisangani donc balingi ba mema M23 na Kisangani wana nzela ko ya na kisasa bola muka batu oyo bateki mboka na biso e assez ekeko sala nini Kisangani M23 za na Kisangani ya mo marche le samedi le 11 marche ya kafu kafu. Merci beaucoup. Na mwana mboka ye moko Martin Fayulu Liboso. Merci beaucoup. Tozo lobela régime oyo baza ba incompétent ba longwa et puis e assez bima mboka na biso et puis agression mboka na biso to bo. Merci beaucoup mwana mboka bozola ndapo na Congo ezali émission na bino mikona mikolo bisika tozo lobela boye ya Emmanuel Macron na République démocratique du Congo dozo a deuxième sujet na biso du jour le chef de l'État l'a dit lors de son discours à la 52e réunion de droits de l'homme de l'ONU à Genève que il n'y a pas aujourd'hui dans mon pays de Congolais arrêtés ou détenus pour leur opinion ou appartenance politique, chose que Justicia Asbel a boy na moté maman Kabi et Zali Lokuta. Tout ça, on a dit que Christian Ingangi Azali, avocat, a expliqué bisoma mon qui est sur ce dossier. Tout comme na niveau nini, na wé tali droit de l'homme, na wé tali ba arrestation, ya ba opinion, na nyaza prisonnier politique, na nyaza prisonnier politique. Est-ce que le lobe prisonnier politique ba Zali sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, maître Ingangi, est-ce que ba avancé en termes de droit de l'homme, en termes de liberté d'opinion, en termes de liberté d'expression, les alliés de l'eau garantie dans la République démocratique du Congo. Oui, madame, il y a trop d'amalgames. Je serai chaque fois obligé de recadrer mon frère Luc Malembe. Je continue à exceller dans le raccordement frauduleux. Avant de répondre à la question, je rappelle à Ibsan de Koli que moi, je ne suis pas de l'UDPS. Bon, si vous avez dit que 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 je ne suis pas de l'UDPS, je suis indépendant, je suis un républicain, mais mes aspirations pour la République se marient avec la vision du chef de l'État. Ok? C'est l'UDPS. Mais non. Non, non. Un républicain n'est pas attaché à la structure, il réfléchit nation. Contrairement à vous qui réfléchit ici, qui fait l'apologie de Martin Fayulu. Moi, je réfléchis nation. Moi, étant né différent. Républicain, Azad Difana Yuza fanatique. Toi, tu es dans le fanatisme, mais moi, je suis républicain. C'est ça la grande différence ici. De Kwazo Luba, je voudrais d'abord, il a dit des choses ici, parce que Maramouane de Kofali, c'est en marge aussi dans ma Kambouya, quand il y a un président français. Moi, je commence par condamner la violence, d'où qu'elle vienne. Je condamne la violence. Aucun Congolais ne mérite ce que notre cher frère Fally Ipupa a outiko connaître na résidence naïe awa. Mais je ne peux pas laisser passer des affirmations gratuites au Nanayoki awa. Parce que, là, selon, n'est-ce pas, la presse, parce que c'est vous qui nous avez informés, c'est des gens non autrement identifiés. Monsieur Luc Malembe, vous êtes intellectuel. Quand on dit que les gens ne sont pas identifiés, ne venez pas dire ici que c'est des gens de l'UDPS. Ça, c'est une affabulation. Aux intellectuels, il ne faut pas communiquer comme si tu étais sous un manguier. Et aux intellectuels, il y a des gens qui nous suivent. Vous devez faire très attention. On n'a pas vu ces gens-là avec effigie à l'UDPS. On ne les a pas vus avec un signe, il y a eu de PES. Aux aumônes. Mais quand tu viens affirmer ici que c'est l'île de PES, force du progrès, alors que vous n'avez aucune preuve qui atteste que Baza a eu de PES, et Zali Malamou Mingitende, il faut faire très attention. On a vu des gens qui ont visité la résidence de M. Fally, et nous pensons que la police est déjà en train de rechercher ces gens-là, et le procureur va devoir nous éclairer à propos. L'instruction préparatoire est secrète. Exactement. Mais c'est très tôt, je le yoloba, alors que tu n'as aucune preuve, oloba qui baza bataille de peste. Et si de peste allait en procès contre vous, il faut éviter ça.
Deuxième sujet rapidement. Le chef de l'État a dit ceci. Il faut dire que le droit de l'homme depuis 2020, on connaissait qu'il baisse moins à 21% en un mois. 21% contrairement à l'époque il y a Kabylie. Mais avec le chef de l'État fait Tshisekedi, vous savez que lorsqu'il est arrivé au pouvoir, tous les prisonniers d'opinion, Abim Sagi Bango, le président Frank Diongo Azagi bénéficiaire de la mesure de grâce, Azagi prisonnier d'opinion, il y a le président honoraire Joseph Kabila, mais le président Diomi Nongala aussi, Azagi bénéficiaire à mesure de grâce, il y a chef de l'État, Azagi prisonnier d'opinion, il y a Ndeko Joseph Kabila. Mais tant que Fati aïe, je confirme ici, sans crainte d'être contredit, il n'y a aucun prisonnier d'opinion. Ah bon? À ce stade, au moment où il n'y a aucun prisonnier, calmez-vous s'il vous plaît. Protégez-moi, madame. Vous protégez Ngaïté. Je vous protège, monsieur. Moi, le Lona, contrairement, tu vas conseiller Ngamingi, Babi, n'a pas de colis qui m'a l'air de Colanda Raïté. Moi, je vais vous protéger, mais je vais vous protéger. Je vous en prie. Aucun prisonnier. Le chef a dit ceci. Il n'y a aucun prisonnier sauf ceux qui sont condamnés pour des infractions de droit commun. On va aller, parce qu'il y a de l'amalgame dans cette affaire ici. On va aller, n'est-ce pas, cas par cas. Tobandi Nandeko, Jimmy Kiteng, qu'est-ce qui vous fait dire, ou qu'est-ce qui fait dire à l'opposition que Jimmy Kiteng a sa prison d'opinion? Parce que même moi qui vous parle, je ne connais pas le fait pour lequel Jimmy Kiteng est poursuivi. Parce que dans le cas, il y a procédure pénale, Nabiso, l'instruction préparatoire est secrète. Il a été interpellé dans le service à renseignement, on l'a transféré au parquet, il est en détention à Makala. De toute façon, Zaki peut interpeller, Zaki, c'était un problème pratiquement enlevé et puis conduit à la nerf, trouvé bon, après madame, moi, 7 je n'ai jours, pas vu, moi, je n'ai pas vu là où on a interpellé M. Jimmy Kiteng pendant le bagage Zaki Malamouté. Mais c'est que moi, je sais, j'ai suivi par la voix de Zonde que M. Jimmy Kiteng a été interpellé. Et dans stade où, certainement, le ministère public qui, pour qu'il le poursuit, est en train de mener des enquêtes à propos. Et tant qu'on a un dossier dans le tribunal, pour soutenir son accusation contre M. Jimmy Kiteng, quels sont les faits au ministère public à sa charge. Donc, ce n'est pas un prisonnier d'opinion. Il est poursuivi certainement, assurément, pour de faits, des infractions de droit commun, mais qui ne sont pas encore connues parce que le ministère public est encore en train de faire son travail. L'instruction préparatoire étant secrète, on ne sait pas savoir qu'est-ce qui lui est exactement reproché. Tozuit Kamusu Subolobi Ndeko Kabound. Le président Kabound, il y a Alliance voilà. Il est poursuivi pour des infractions de droit commun. Nous l'avons su quand son affaire a été envoyée en fixation. Et il y a 4 chefs d'accusation et pas il y a président Kabound. Il est poursuivi pour imputation dommageable. Injure publique, offense au chef de l'État, n'a offense aux institutions de la République. C'est des infractions de droit commun. Parce que la liberté d'opinion fait partie des libertés fondamentales, mais ce n'est pas à confondre dans le libertinage d'opinion. Parce que dans notre état de droit, parmi les piliers, vous avez ce qu'on appelle la légalité. Et dans notre arsenal juridique, vous avez les codes pénals qui prévoient des incriminations et de peines par rapport à un comportement opposé. Alors, les opposants pensent que, au nom de la liberté, ils pensent qu'il a ce droit-là, au nom de la liberté d'opinion. Mais si l'IDPES lui colle un procès, alors comme un prisonnier politique. Mais il ne sait pas que c'est une diffamation. Il ne sait pas. Il y a des gens qui sont Il ne sait pas que c'est une diffamation. Parce que ce qui est l'IDPES a un procès contre Barokom, il s'est prisonnier d'opinion. Mais quand il dit ici que c'est l'UDPS qui est allé casser et pas Ndeko Fally, il ne sait pas que c'est une infraction. Ah, mais puisque vous parlez des infractions, vous parlez des limites. Bah, limite, Azana Posa a dénoncé, fait moroboye. Dénoncer, critiquer, faire. Jusqu'où aller au fait Le problème, c'est quoi? Si vous voulez dénoncer un fait infractionnel, il faut saisir le procureur. Il faut saisir le procureur. Parce qu'une diffamation, c'est quoi? Ça peut s'avérer vrai. Mais le fait que vous n'avez pas suivi la procédure, vous utilisez votre voix moussoussou pour nous dénoncer ce qui pourrait être vrai,
ça devient une diffamation parce que vous le faites dans l'optique yako exposer Moutouana au mépris du public. C'est que les gens ne savent pas. Si vous avez des éléments, dénonciation, détournement, vous devez saisir le procureur. Parce que le procureur, parmi voix à saisine, il y a procureur, il y a la plainte, il y a également la saisine d'office, il y a aussi la dénonciation. Allez saisir le procureur pour dénoncer. Ne venez pas vociférer comme ça dans le plateau de télévision, vous dites n'importe quoi, et quand Mouto Aroyo Kaza lésé, à qui devant juge, Kofun Nayo, au lobby qui n'a commis plusieurs d'opinion. La cécité, ça va tout le temps, ça va être un autre qui a une décolique. Décolique, maman Naomi, s'il vous plaît. Décolique, Arolobamini. Encore 30 secondes, Tokei Lissoussou. 30 secondes rapidement. Kamoussoussou Yanani. Wana Makambouya, Ndekoja Makaboun. Nani Soussou. Neko Manix aussi, c'est dans le même cas. Il y a même humoriste Moro Wakanga qui a. Il y a des cas. Écoutez, madame, tous ces gens-là que vous citez, c'est prématuré pour moi. Je suis légaliste de dire que Bazaba prisonnier d'opinion, parce que le fait pour lequel ils sont poursuivis n'a évité. L'instruction est en cours, madame. N'a yébité instruction préparatoire et secrète. N'a yébité pourquoi Manix va poursuivre Nanini. Ndeko Yotangi, c'est qui comédienne. Moi, je ne connais pas. Alors, je ne peux pas venir ici. Ce serait une légèreté de ma part. Une légèreté de ma part de venir affirmer ici qu'il y a un prisonnier politique, alors que le fait pour lequel ils sont poursuivis, moi, je ne connais pas. Est-ce que si Kanabango est allé cause à ANR? Madame, ANR est un service à renseignement. Quand on vous interpelle dans ANR, moi je ne connais pas le. Exactement, il doit y avoir un motif. Parce que l'ANR est là pour essayer de suivre. Marambo est allé, renseignement, c'est l'ANR. Vous y habitez. C'est pourquoi il faut tout se taire. Il ne faut pas venir parler avec légèreté comme ça. Il faut qu'on se taise parce qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas pourquoi Bazali poursuivi. On ne connaît pas. Alors moi je ne peux pas me permettre ici, Yaroya Rosala, des affirmations gratuites. Oh, le lobby, oui, oh, comme il y a eu problème. Merci alors beaucoup. Que je ne connais pas le but pour lequel Batouana Bazali poursuivi. Beaucoup, donc, il y a, c'est les gens parmi Bango, le Zin, sont poursuivis. C'est des effets de droit commun. Les autres, l'instruction préparatoire est en cours, étant secrète. C'est difficile pour moi de vous dire. Tous les attendent au ministère public à continuer à dossier devant vous le juge. Que sous Tokoyoka, dit, y a pas de il n'y a aucun. Mais, encore une preuve, il y a respect à la liberté publique. Vous avez un exemple patent, c'est M. Luc Malembe. Moi, je reviens qui vient de prison. Ici. Je reviens de prison. Hein? Imputé de fait au chef de l'État, à lui de peste. Mais il sortira ici calmement, il rentre chez lui. Voilà une preuve, il y a respect à la liberté merci, publique. Merci c'est M. Luc Malembe, c'est une preuve que le chef d'État est tolérant. Merci beaucoup, M. Luc Malembe. Vous, à l'époque de la Kabylie, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mon Amboka. M. Luc Malembe, aujourd'hui, il n'y a pas de prisonnier. Si tu reviens de la prison, c'est que tu avais commis une infraction. Vous êtes la preuve. Vous êtes la preuve. Ah, moi, ce n'est pas la preuve de quelqu'un. Il n'y a pas de moi, je reviens de prison. Liberté totale. Vous avez commis des infractions de droit commun. Et donc, vous voyez que na lobakango tous les jours. Apparemment, tant que vous avez des pèses, aux unes, vous avez des nayo, au tiki na porte, au côté. Vous avez des gens qui ont des côté. Mais il est ici, ayebi. Non, écoutez, non, ça je ne permets. Non, madame Naomi. S'il vous plaît, madame Naomi, s'il vous plaît. Non, c'est moi non, qui ai si la parole. Non, c'est important. Non, c'est important, madame. La parole comme je vous avais, je crois vous avoir. Non. Écrivez. Non, ça, je ne crie pas. Ça, c'est. Écrivez. Vous, avez, c'est vous venez, de tenir, parole, vous venez de tenir des propos que je n'ai pas aimés. Qu'est-ce je que ne vous avez vous... dit vous écoutez, avez dit, vous connaissez pas les madame gens Naomi. Les gens sont pour. S'il vous plaît, madame Naomi. Alors, il ne faut pas madame Naomi. Nier ça ici. Madame, si vous n'avez pas la capacité de comprendre ce que l'on dit, s'il vous plaît, maître. Je vous respecte. Et soyez élégant. Écoutez, je suis en train. Messieurs, je vous respecte. Vous êtes père de famille. Moi, j'ai dit. Alors, mesurez vos propos. Très bien, je clarifie. Voilà ce que je voudrais. Qu'on se respecte. Parce que ce que tu fais, je peux le faire. Attendez. J'en ai les épaules suffisamment larges. Mais je vous appelle au respect, tout simplement. S'il vous plaît, maître. Je vous appelle au respect, à l'élégance. Je peux faire ce que vous faites, monsieur. Je peux le faire bien. Vous croyez que vous allez me faire. Sors le marin à jour, on a toqué. Arrête ça. Mais quoi lobby a waki ayebi ba infraction et belé ba tubakanga mina nanini na prison lelo sous régime na bango. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Alors, ndenge nous no yebi ba infraction té, mais oya okoloba ke prisonnier politique à l'ité. D'abord, apparemment mon frère, même s'il dit il est juriste, moi je le suis pas.
Mais Aza d'abord la difficulté à Koyeba, c'est quoi une infraction de droit commun et une infraction politique. Ndeko, offense au chef de l'État, c'est une infraction politique. Ce que vous évitez. Moi, en 10 ans de combat politique, j'ai fait 9 fois la prison et j'ai toujours été acquitté par le tribunal parce que na yebi balo ambokananga. Il faut surtout pas croire que pour les juristes, ils ont un monopole à connaissance et à droit. Non. La loi veut que chaque Congolais connaisse la loi. Moi, je connais la loi de mon pays et je n'ai pas besoin d'être juriste pour ça et je ne prends pas de leçons. S'il vous plaît. Alors, bah prisonnier politique, bah tondi kole quand même à l'époque à Kabila. Ah bon? Tous ces gens que vous avez cités, Jimmy Kitenge fait quoi en prison? Parce qu'il a critiqué le régime. J'ai la loi portant organisation et fonctionnement de l'ANR ici. L'ANR ne s'occupe que des infractions portant atteinte à la sûreté de l'État. Ok? Ce n'est pas des actes que Moutazoui Nyonga ou Abomemi en ANR. Ce n'est pas le travail de l'ANR. J'ai la loi, moi je lis. Moi j'ai la loi. Ceux qui ont tant que talingati. J'ai lu la loi portant organisation et fonctionnement de l'ANR. C'est les infractions portant atteinte à la sûreté de l'État, madame. Est-ce que Jimmy Kitengalinga qui a ça à coup d'État? Qu'est-ce qu'il est allé faire à l'année? Barnabé Milinganyo, qu'est-ce qu'il fait en prison? La Lucha, parce que na sepele na bande konanga ya Lucha ndeba ba décortiquer point. En fait, ndeko tilombo akenda ki na mariage na nini na ceux qui na Suisse, ceux qui wapi Norvège. Et c'est kazawa mezawa. Genève. Alors Renaud Anneza, car un ministre, discours où il fallait Poelande, Fabrice Poelande à l'Obango. Mais Ndenga Moni, mon cher Dio, bon, il y a un mariage, mais il faut une bombe à la Kisaki Naye, à Biloko Soki à Genève, Biloko à ministre. Lokutana, Lokuta, quand on a un Nanda Kenaki Kokos en Sénégal, que Asia Saliba, ma mapa et à Manioka, au sur mon ango. Mapa ya manioko sio mona tout un service, il y a tout un service. Oui. Mais mapa za wapi? Nous on n'a pas besoin de service. Mapa alobaki asali 20% ya mapa ya Kinshasa na Congo, les leza ya manioko, eza wapi? Bilanga manioko régime aussi ça les a wapi? Revenons sur la c'est la même manière qu'à Kekuna à Lobio, il y a plus de sûr. Des prisonniers politiques. Oh, moi je reviens de prison. Moi je reviens depuis le Mazawa, j'ai fait 2 fois la prison. Et j'ai toujours été acquitté par le tribunal parce que je connais la loi de mon pays. Dans mon zoba, ceux qui ne veulent dans le Bible à force de progresser, ami. Nganaza politique, je ne viens pas ici raconter des histoires où on a yébité. Nous, on a été là. Nous, on a interrogé les habitants, les voisins à résidence à Fali. Milis Wana et Zalakawana, et puis il ne faut pas dire que c'est des gens non-lits. Non, non, c'est force du progrès. Qui sont identifiés par Zalakawana, Balobakabazakaba. Mais l'opposition ne donne pas le droit, il y a aussi la baptisation gratuite. Quelles sont les accusations que nous avons faites? Nous, on a des témoignages des gens du quartier, eux-mêmes, des jeunes du quartier qui vous disent qui a fait ça. Et ce sont des gens qui sont toujours là-bas. On les a installés là-bas pour terroriser la population. Ils sont toujours là-bas, en Galima. Okoya, ceux qui ont une information, nous on en a. Moi, je te dis, j'ai fait face 9 fois à la prison. Je n'ai jamais été condamné. Mais vous pensez que sous Félix Tshisekedi, liberté d'expression. Exactement. Donc, régression terrible, qu'on est quand même dans l'époque à Kabila. Ah bon? Oui, c'est la régression terrible. Parce que bah, il y a 13 militants de la Lucha qui sont en prison à Boutembo. Idengo Del Canto, au musicien, il y a Beni. Ayemba Kika Kanzembo. Il a été condamné à 10 ans de prison. Azana prison à Goma. 36 militants abusés à l'ECD vont se faire condamner dans Makalao. Parmi eux, Luc Moulopoy. Pas ça dans Makalao. Maintenant, il y a un lobby qui est prisonnier politique à Zate, ça veut dire quoi? Il y a un inventé. Et puis, il y a non, tout va bien, rien ne va, monsieur. Il y a un lobby qui est organisation de défense des droits de l'homme. Le lobby est régressé. Sur le plan démocratique, on a régressé et ça fait pitié. Comme on a moi, na papa Etienne Tshisekedi. Tant que papa, quand on lit des pèses, hier, quand papa Etienne a lobby, que Kabila a Rwanda, d'ailleurs, a saigné à vie de recherche, on a comment on a Kabila a eu l'angaye, on a zombi, ça a eu Rwanda. On l'a tué. Azaki n'a preuve. Azaki te. Quand il y a un lobby, de côté l'ombre, lobby Kabila a papier. Non, je voudrais lui dire qu'il n'a pas de leçons. Bazana leçon à couper sa bisauté. Bangonde Bazana leçon à couper sa bisauté. Mais je voudrais lui demander quand hier il faisait ça, on les a tués. Tilomba lobi Kabila a papier, on l'a tué. Bakangaye,
C'est ça la démocratie. Il y a Akanisi qui a papier. C'est sa liberté. Ah, c'est ça la démocratie. C'est la liberté d'expression, c'est dans notre pays. Non, l'amour qui l'attend, moi, la télévision, au chef de l'État. Kofi Ngandete. Voilà. Parce que dans le sens où Tshilombo le disait, c'est dire aux gens légers, aux gens na base T. C'est pas une injure. C'est une opinion. Est-ce qu'on l'a tué? Maintenant, ce qui moutou a lobi, ngana ye a wana lobe liyoke, Tshilombo aza incompétent, aza inefficace, aza qui nomme à pouvoir, il faut kanganga. Très bien. Il faut kanganga. C'est ça la démocratie pour laquelle vous vous êtes battu. C'est la fin de l'émission. C'est la fin de l'émission. Donc, s'il vous plaît, je vous reviendrai bien. Maître Ingangue, votre mot de la fin en 1 minute. Émission. Oui, en 2 minutes, madame, je voudrais vous dire que. Prochainement, si je sais que j'aurai en face de moi M. Lick, je ne viendrai pas. Il n'y a pas de problème, ça m'arrange d'ailleurs. Je vous avise déjà, parce que je suis un homme respectueux. Je me respecte et je respecte les autres. Je passe dans nombreux plateaux mini à télévision, j'ai toujours eu de l'élégance à l'égard de mes contradicteurs. Tel n'est pas le cas avec M. Lick, n'est-ce pas, qui n'a que du mépris à l'égard des autres et il n'a aucun respect pour les gens. Et c'est des gens comme ça qui veulent demain diriger le Congo. Ceux qui ont besoin de monde, qui ont besoin d'armée, qui ont besoin de police, qui ont besoin de gérer, qui ont besoin de l'armée, qui ont besoin de police, qui ont besoin de soutien, ne montrez pas aux gens combien vous êtes indisciplinés. Ce n'est pas bien. Vous devez avoir, savoir vous respecter la patrie. Vous avez dit Nayebi et Lopoté. Vous avez dit ça que Nayebi et Lopoté. Je vous rappelle la disparition. Parce que quand vous parlez comme ça, quand vous parlez comme ça, alors que. Quand vous parlez alors que. Ngam nana parole, c'est une indiscipline. Madame, Nayebi n'a pas de liberté d'opinion. Je voudrais donner une définition de la liberté. N'est-ce pas, d'opinion, comment dire, prisonnier d'opinion. Oui. Selon Peter Benson, c'est un avocat britannique, il y a ONG Amnesty International. Azo définir liberté d'opinion comme un prisonnier politique, comme étant toute personne détenue ou restreinte dans sa liberté du fait de ses convictions politiques ou religieuses, ou pour toute autre raison, des consciences, de son origine ethnique, de son sexe ou de son orientation sexuelle, de sa couleur, sa langue, son origine sociale, sa nationalité, etc., qui n'a pas usé de violence, ni incité à la violence ou à la haine. Ça veut dire, il y a politique. Par exemple, le président Franck Diom a été arrêté tout simplement pour avoir refusé les accords à Saint-Sylvestre. Ces échanges de Saint-Sylvestre, on l'a arrêté pour ça. Ça, c'est une opinion, il y a Pessaki, par rapport à un enjeu, une question de la politique de l'heure. On l'a arrêté pour ça. Mais, Batou, il y a une violence verbale. Batou, il y a incité à la haine, peine à la violence. Batou, il y a commettre une infraction de droit commun. Même au Sima, la casquette, il y a politique. Vous n'allez pas dire qu'on ne peut pas le poursuivre parce que Bandoro, le baron, a un contexte mort politique. Non. Sinon, n'est-ce pas, tu as mis la brèche dans une société bananière. Ou n'importe qui peut importuner n'importe qui. Très bien. Donc, il est très important. Et le côté Bayango, je suis en train de persister. Il n'y a pas de prisonniers politiques, sauf de gens qui ont commis des infractions de droit commun, dont certains sont en train d'être jugés, et d'autres, en détention, le procureur est en train d'instruire. Quand je dis que parce que l'instruction est secrète. Merci beaucoup. C'est que mon frère doit intérioriser. C'est qu'en procédure pénale, tant que parquet a construit, il y a eu qu'on y est batté. Parce que le dossier, ça n'y a magistrat. A tous les poursuivants, à tous les plaignants, pour soit accès même dans la pièce, il y a dossier, wana, il faut que le parquet atteigne le dossier en fixation. Donc, c'est très difficile, il y a un stade où, alors que l'instruction est secrète, il y a un fait où il y a mise à charge, il y a un déco. C'est pourquoi j'ai dit que je ne peux pas, je suis pas trop léger merci pour venir ici que le bandeau n'a pas besoin de prisonnier politique. Merci donc, attendons qu'on va fixer l'affaire, nous trouvons ceux qui Ezali pour des faits politiques ou pour des infractions de droit commun qui ont été arrêtés. Merci beaucoup, Ndeko Luc Malemba. On une minute, votre mot de la fin rapidement. La fin, c'est que nga nayaka wa ko débattre. Ok, nayaka ko kolobela bandeko nanga, nayaka ko sepelisa muto awa te. Oui, à mon qui a coca débat tactique. Moi, je suis à la télé tous les jours. N'a pas de conna, puis soit à IDPS. Oui, à mon qui a coca débat, c'est pas mon problème. Moi, je viens pas faire plaire à quelqu'un ici. Non, non, non. Et j'ai pas besoin que lui m'apprécie. Non, j'ai besoin qu'il me contredise. Point barre.
sans me juger. Et ça, la malasuka n'a aucun terme, mais impoli, monsieur. Yo ben malasuka, yo ben malasuka, na yo comme nous, na yo, olo banangai, olo banangai, yébi de côté. Tu n'es pas élégant. Yo ben on est dans un bazooka, mais ça en malasuka. Tu n'es pas élégant, monsieur. Tu n'es pas élégant. Oh là là. Instruction secrète. Voilà les gens qui veulent diriger le pays. Attendez. Ah, alobi instruction est secrète. Mais la loi veut que ce qui va kangio, madame. On doit te dire pourquoi on t'arrête. On dira celui qu'on a arrêté pas à toi, Luc. Alors, tu n'es pas poursuivi. Tu n'es pas poursuivi par le procureur. Mouto bakanginde. On est amalgame. Mouto bakanginde, il faut y aller. Yo bakangio. Yo ça concerne ma dossier, wana. Oh là là. Vous voyez l'amalgame. Oh là là. C'est malheureux, hein. Voilà les hommes politiques. Et c'est eux qui savent que ce sont des prisonniers politiques. Madame, mais la prochaine fois, vraiment, il faut faire des choses. Yeah, Asala Nina, Luka Moussa. Il faut faire des choses. S'il vous plaît. Les prisonniers politiques sont pleins. Votre régime ici, c'est un chaos démocratique. Bon, ça, les 32 ans, il y a des gens qui sont des policiers, vous êtes une catastrophe politique. Merci, on n'en parlera plus jamais dans ce pays. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Le niveau est très bas. S'il vous plaît, je tiens au respect et à co-débatteur dans mon sous-soupo et les grands César Makas, il respect la bande de Koubazo, l'andabisope respect mutuel, la plateau, c'est très important. Ndekolik Malembe, Ndeko Ingange, s'il vous plaît, émission ici, on se retrouve demain. Je vais inviter mon sous-soto à Congo, à battre la paix, à Tonga Congo. Et mingi, le Congo ne sera jamais balkanisé. On se retrouve demain. Je vais inviter mon sous-soto avec le même plaisir. Merci. Au revoir. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, New Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba, et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites.